Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Donc là, on va un peu regarder ce que je peux vous dire ou pas vous dire. Vous avez vu mon nouveau stylo? Il est beau, hein? Donc voilà, on va regarder ensemble ce que je peux vous dire. Donc, déjà, on va prendre ça. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Ça, c'est ma petite icône, vous voyez? Voilà. J'ai plein de trucs, j'adore. Donc là, on vous parle. Donc on parle que... on parle de messages. Donc là, pour moi, on parle de messages. Il y a une personne, plusieurs personnes mais qui vont vous contacter. Et en fait, par rapport aux messages qu'on va vous envoyer, après ça peut être vous, mais on parle vraiment qu'il y a l'espoir en fait. L'espoir pour vous par rapport à cette conversation. On parle vraiment d'espoir, de succès par rapport à cela. Et pour moi, je pense que vous allez lâcher prise sur certaines choses, vous détacher. Vous détacher et on parle des balances des scorpions et des sagittaires. Je pense que vous allez lâcher certaines choses. Donc, vous allez vraiment lâcher sur certaines choses. Mais on parle qu'il va y avoir quand même de l'attente et de la patience pour vous. Hein. Mais vous allez vous lâcher quelque chose. Voilà, avoir lâché prise. Mais ça va être long quand même. Hein. Ne vous attendez pas à quelque chose. Le succès, le soleil est là. Mais on parle qu'il va falloir avoir quand même de la patience. Pour les balances, les scorpions et puis les sagittaires. Mais, oh là là, excusez-moi. Mais franchement, il y a vraiment ce succès. Hein. Par rapport à de la conversation, tout ça, ça va vraiment vous permettre de vous détacher, de lâcher prise sur certaines choses. Hein. On parle aussi que peut-être vous allez vous poser des questions par rapport à des messages qu'on va vous envoyer. Vous allez douter. Peut-être pour ça aussi que vous allez mettre un moment à prendre des décisions. Vous allez douter, vous allez réfléchir avant de vous décider. Hein. Je pense que vous allez mettre un petit moment. Ouais. Il va y avoir sûrement des décisions pour moi et donc pour les balances et les scorpions et les sagittaires, ouais, vous allez être un peu paumé, un peu confus, vous allez attendre, vous allez, avant de lâcher prise, on parle d'un homme. On parle d'un homme, un homme qui peut vous emmener ben, le soleil dans votre vie. Vraiment, on parle d'une bénédiction et on parle que cet homme, par rapport aux balances, aux scorpions et aux sagittaires, va vous envoyer des messages. Mais vous allez être dans un détachement par rapport à cet homme. Ouais, je pense que vous allez, par rapport à cet homme, le faire attendre. Il va falloir que cet homme, ces hommes-là soient dans la patience parce que vous, vous allez douter. Vous n'allez pas trop comprendre, je pense, par rapport à la conversation parce qu'on parle vraiment d'une conversation, des messages envoyés, des messages reçus entre un des hommes et des femmes par rapport aux balances, aux scorpions et aux sagittaires. Mais on vous dit clairement que par rapport à cet homme et vous, on parle d'espoir, on parle de soleil, mais je pense que vous allez douter concernant ces hommes. Vous allez vous poser aussi des questions, vous allez réfléchir, vous allez en plus pas trop comprendre ben, ces personnes, ce qu'ils veulent pas. Vous voyez, bon. Donc, on continue, on va voir, mais voilà. Moi, pour moi, c'est ça. Ça sent bon ma bougie. Ça a une bonne odeur. Parce que, alors déjà,
déjà, vous, on parle que pour des balances, des scorpions et des sagittaires, alors certaines, soit vous êtes en couple, dans un couple en crise qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire deux personnes vraiment dos à dos, et on vous dit vraiment qu'il faut réagir, quitte à vous faire aider. Après, ça peut être aussi des balances, des scorpions et des sagittaires. Vous pouvez très bien connaître quelqu'un et vous n'arrivez pas à lâcher prise sur la personne, de gros problèmes avec cette personne. Donc, ça peut être ou vraiment des scorpions, balances, scorpions, sagittaires, vraiment qui sont en couple et des couples qui ne marchent plus, qui n'arrivent plus à se comprendre, qui ne dialoguent plus. Et là, vraiment, on dit qu'il faut réagir, quitte à vous faire aider. On parle d'un lâcher-prise qui est nécessaire à faire. Après, ça peut être aussi deux personnes où la relation n'évolue pas et où il faut vraiment sortir d'une crise, avoir un détachement et lâcher-prise. Parce que de toute façon, par rapport à ces autres hommes où on parle d'une communication entre vous et la personne, on parle de bénédiction, on parle d'une surprise, mais j'ai l'impression que ces hommes-là ont des choses à régler aussi dans leur vie. Par rapport, alors soit des hommes également qui sont en couple ou une relation du passé. Hein. Donc, ensuite, on parle que de toute façon, vous allez douter. Alors, vous allez douter, on parle pour vous d'un nouveau départ au niveau sentimental, pour des hommes et des femmes. Mais, quant à ce nouveau départ, par rapport, alors j'ai l'impression que certains, parce que je vous parle d'un homme avec qui il y a, ou il va y avoir de la correspondance, alors, par rapport à celui-là, d'homme, on parle que, comment je pourrais vous dire, vous allez être dans le truc, vous allez vous poser des questions par rapport à ces hommes. Donc, on parle que vous allez réfléchir, vous allez vous poser des questions, vous allez être vraiment dans une confusion. Et vous allez avoir besoin vraiment d'un recul, en fait. Voilà, de prendre du recul par rapport à ces hommes. Bon, on parle aussi que par rapport à ces hommes, là où la communication, vous allez, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous poser des questions par rapport à ces hommes, parce que vous n'allez pas trop comprendre ce que vous voulez, ce que veulent ces hommes hein, ou ces femmes, c'est interchangeable. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il est dans la ruse? Vous allez avoir peur aussi. Comment dire? Vous allez vous méfier de tomber, si vous n'allez pas tomber encore dans un piège. Et du coup, vous allez être... vous allez faire attendre. Vous allez prendre le temps. Voyez, vous allez vous poser des questions. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, vous allez... Alors, vous n'allez pas comprendre vous, ce qu'il vous veut. Lui, il ne va pas vous comprendre. En fait, ça va être un peu le bordel, si vous voulez, par rapport à un départ. Mais pourtant, on parle hein, qu'il peut y avoir vraiment du succès. Mais voilà. Moi, on parle de ça, hein, vraiment que lui, alors la personne va aussi se demander si vous êtes sincère, pas sincère. Vous allez vous demander si lui ou elle est sincère, pas sincère. Et du coup, il va avoir de l'attente. Ça va ramer en fait des deux côtés. Voilà, on parle vraiment de ça. Donc, on parle d'un choix. On parle que un homme,
un homme par rapport à de la conversation. On parle d'un homme qui, des hommes qui vont prendre une décision. Voilà. Il va avoir des décisions en fait par rapport à ces hommes, par rapport à des, de la conversation. Voilà. C'est comme si ces hommes-là allaient faire un choix par rapport, parce qu'on parle qu'il y a quelque chose, on parle autour d'eux, ça peut être quelqu'un, je dis, qui est en crise dans un couple, ça peut être aussi quelqu'un du passé par rapport à ces hommes, mais on parle qu'il va y avoir un choix pour eux. Concernant également, j'ai l'impression, une conversation, c'est peut-être quelqu'un du passé ou quelqu'un qu'on connaît, mais c'est pas vous. Hein. Par rapport à quelqu'un qui est un homme, une femme, qui est très superficiel, quelqu'un qui va pas au fond des choses, au niveau des conversations, il y a un choix. Ouais, il y a un choix par rapport à vraiment de la superficialité. On parle que de toute façon, les choix que vont faire ces hommes vont vraiment leur amener une harmonie dans leur vie. On va sortir de, d'une crise émotionnelle, quelque chose qui ne va pas. On va lâcher prise de toute façon, soit par rapport à quelqu'un du passé, soit par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Et on va lâcher, et on parle vraiment que vous allez aller vers une harmonie avec une personne, on parle de bonheur, vraiment vous allez voir la vie en rose, hein. On parle d'un happy end pour vous en fait. Hein. Donc là, on parle d'un choix. Alors soit c'est des hommes qui vont faire le choix d'être en couple avec une femme ou des femmes qui ont déjà des enfants. Donc je vois vraiment un choix concernant cela. Soit ça peut être aussi le choix par rapport à une femme et faire un enfant selon l'âge que vous avez. On parle aussi on parle que par rapport, alors écoutez, hein, je vous dis, hein, il est toujours pareil. On parle d'une femme qui a un enfant, ça peut être un homme également qui a un enfant. On parle que, et puis par rapport à une grossesse aussi, pour certains cas, on parle qu'il va, il va avoir une attente, de toute façon par rapport à une femme ou un homme qui a des enfants, et puis il y a une histoire de grossesse aussi. On parle qu'on va se méfier. On va se méfier. Il y a quelqu'un qui est dans la ruse, quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. De toute façon, il va avoir un choix par rapport à une femme superficielle. Et on parle vraiment que vous allez aller vers un bonheur. Hein. Il y a une transformation. Ouais, vous allez beaucoup douter. Voilà. Vous allez beaucoup douter. Vous allez énormément réfléchir à un nouveau départ. On parle aussi d'hommes ou de femmes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Vous allez beaucoup douter à un nouveau départ avec un homme ou une femme. On va se méfier. Voilà, vous allez vous méfier. Mais vous allez avoir un nouveau départ avec un homme ou une femme. Et vraiment, si vous voulez, vous allez avoir un renouveau, un nouveau départ avec une personne. Et vraiment, ce renouveau, vous allez avoir les choix que vous allez faire dans votre vie, hein, pour vous et puis pour une femme, voilà, un couple. Vraiment, vous allez avoir un changement. Hein. Donc là, on parle d'un homme. qui peut avoir des légers flirts au niveau de conversation, voyez, SMS, réseaux sociaux, amour éphémère, des amours passagers, des petits flirts. Il va avoir un choix concernant cela par rapport
à la conversation avec une femme. Il y a un choix. Il y a un choix par rapport à des fleurs, des trucs super légers qui vont pas très loin. Un choix également par rapport à une personne ou qui est encore avec vous ou du passé, quelque chose de karmique, quelque chose qui n'a pas duré en fait. Il y a un choix. On parle aussi qu'on est, il y a aussi, on parle de relations karmiques, des amours, des flirts légers. On parle d'addiction qu'on peut avoir, quelque chose qui n'est pas bon. On a besoin peut-être d'avoir de la communication avec des hommes, des femmes, quelque chose qui n'est pas bon. Il y a aussi un truc où on doit lâcher une obsession par rapport à une relation karmique qui n'est pas bon pour vous en fait, hein. Pour moi, il y a des grossesses qui arrivent. Hein. Selon l'âge que vous avez, franchement, il est question de grossesse. Je vois des femmes qui vont tomber enceintes. Et c'est comme s'il y avait des hommes qui vont se demander, elle n'a pas rusé, elle, pour tomber enceinte, des choses comme ça. Vous voyez, bon. Je vois quelqu'un aussi qui est obsédé. Mais quand je vous dis obsédé par une femme au niveau de la sexualité, c'est une obsession. Ces hommes-là doivent penser qu'à ça par rapport à ces femmes. Hein, on est obsédé. Je vois quelqu'un venir vers vous. Quelqu'un vraiment qui est en addiction par rapport à la sexualité, par rapport à vous. Hein, c'est addict, quoi. Voilà, on ne peut pas se passer de vous. C'est vraiment l'addiction. Hein, on ne peut pas. Voilà, ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Hein. Ils ont vraiment le manque. Bon. Addict. Ah, c'est au jeu, il y a ces médicaments, il y en a ces... Eh ben là, c'est vous, quoi. Au niveau charnel, au niveau sexuel, c'est l'obsession. Bon. Alors. Donc là, on parle de... Alors, il y a des changements. Hein. Il y a des changements qui arrivent dans votre vie amoureuse. Hein. Donc, changement. Parle de rencontres, de changements sur des relations. Voilà, donc vraiment le gros changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive au niveau sentimental. Vous allez prendre une décision. Une décision qui va changer beaucoup de choses avec quelqu'un. Donc soit vous allez faire une rencontre et vous allez prendre des décisions. Qui vont changer une relation. Mais on parle de décision qui arrive. Il y en a dû à un changement d'une relation. Ça peut être une nouvelle rencontre et que ben, vous êtes avec quelqu'un. En tout cas, je vois des personnes qui, dû à une rencontre sentimentale, vont prendre une décision d'arrêter une relation. On parle de quelque chose qui va s'arrêter. On parle de la fin d'une relation sentimentale. Il y a aussi des décisions concernant... une décision aussi concernant votre vie, tout ce qui est matériel. Et c'est comme si ça allait arriver par surprise, quelque chose par rapport à une rencontre, quelqu'un qui va arriver. J'ai vraiment l'impression que vous allez prendre la décision
de couper une relation ou alors de changer quelque chose avec quelqu'un. On parle vraiment de changement. Voilà. Dans votre vie sentimentale, il y a des décisions. De toute façon. Hein. Je vois aussi... je vois quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose, on va prendre une décision, il y a quelque chose qui s'arrête, comme si vous alliez choisir par rapport à quelque à une personne dans votre vie sentimentale d'arrêter quelque chose, voilà. Et vous allez décider par rapport à une rencontre que vous allez faire ou qui est là, hein, prenez comme ça vous parle, de faire un voyage ou un déplacement. Il y a la prise de décision de se déplacer. De toute façon, vous allez vous déplacer. Il y a quelqu'un qui bouge. Voilà. Et je vois vraiment quelque chose qui s'arrête, en fait. Voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et on va faire un déplacement ou un voyage pour voir une personne. Sentimentalement. Ouais, vous bougez. De toute façon, pour moi, il y a des décisions. Vous allez changer des choses dans votre vie amoureuse. Hein. Il y a des décisions. On veut changer des choses dans sa vie amoureuse. Hein. Donc, pour moi, on prend des décisions. On veut, ouais, on veut des changements. On veut une rencontre. Hein. Donc, franchement, on prend des décisions pour changer notre vie amoureuse. Voilà. Et du coup, c'est comme si vous allez prendre des décisions et quelque chose qui s'arrête. Et on parle de quelqu'un qui va faire un voyage ou un déplacement. Voilà. On parle vraiment de ça. Donc, on parle aussi, pour moi, quelqu'un qui va se dire, bon, je veux faire ce déplacement, je veux voir cette personne. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous en parler. Voilà, qui va vous dire, voilà, j'ai envie de te voir. Et qui va venir vous voir. Et en plus, c'est comme si ça allait venir comme ça. Vous voyez, dans la tête de la personne. Voilà, j'ai envie de te voir. On parle aussi de quelqu'un qui... quelqu'un qui pense à sa vie charnelle, à sa vie sexuelle. On a envie vraiment de changer des choses dans sa vie. Hein, on doit se sentir seul. On parle de quelqu'un de très franc, de très franche, de très carré, beaucoup de principes, quelqu'un de très honnête, de très fidèle, beaucoup de loyauté. Et pour moi, on va vous parler. Voilà, il y a quelqu'un qui va vous parler. Je peux pas vous dire mieux. En tout cas, on prend des décisions pour sa vie sentimentale. On veut avancer. Hein, voilà, on veut pas rester seul toute votre vie. Hein, donc, on parle vraiment de ça. Donc, on parle qu'il va y avoir des discussions. Vous allez vouloir changer vraiment des choses dans votre vie amoureuse. Donc, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie amoureuse. On parle de communication. Oui, vous allez parler. Vous allez vouloir changer des choses dans votre vie amoureuse. Donc, je vois des contacts. Vous allez changer des choses. Hein. J'ai l'impression que dû à un changement au niveau de votre vie sentimentale et décisions que vous allez prendre, j'ai l'impression que, alors certains, ça peut être arrêter une relation pour aller vers une autre relation. J'ai l'impression qu'il va avoir des discussions, vous allez parler avec quelqu'un. Et il va avoir une négativité dans les échanges de la part de quelqu'un. Quelqu'un, dû à vos décisions de changer votre vie amoureuse, hein, vous n'allez pas... Voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un que ça va pas, ou voilà, ou en tout cas, on parle de ça, il y a quelque chose, on veut changer des choses. Hein. Une relation, quelque chose qui n'avance pas, donc on veut avancer. Et il va y avoir pour moi quelqu'un qui
qui va être beaucoup négative dans la prise de vos décisions, vos choix. Quelqu'un qui va essayer, qui va prendre ça ou comme une trahison, de passer à autre chose, de couper une relation. Il va y avoir beaucoup de négativité dans les échanges. On va peut-être même essayer de vous faire des coups bas. Enfin, vraiment pas bon. On parle aussi, il va avoir une bonne surprise. On parle de bonne surprise par rapport à des échanges avec une personne au niveau sentimental. Mais vous allez avoir autour de vous par rapport à ces bonnes surprises qui arrivent, quelque chose qui va changer dans votre vie sentimentale. Il va avoir de la jalousie autour de vous. Donc de toute façon, pour vous, on parle de soleil, de bonnes surprises par rapport à de la communication avec quelqu'un. Mais il va avoir de la jalousie. On parle également que par rapport à la... On va prendre une décision de se déplacer, de faire un voyage ou un déplacement. On parle de soleil par rapport à cela pour vous. Hein. Donc là, on parle d'un homme de cœur. Qui va vous parler. Donc, soit vous connaissez cette personne, soit cette personne arrive. Hein. Mais on parle que cette personne va vous parler et j'ai même l'impression va se déplacer pour vous voir. Donc, voilà. Alors, pour moi, on parle d'un changement. Il y a un changement amoureux. Alors, certains, on parle de grossesse, hein, ça revient encore. Un changement au niveau d'une relation, parce que pour moi, vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte. Donc, il va être question de conversation. Vous allez apprendre que quelqu'un est enceinte. Donc, il va y avoir des échanges. Et pour moi, la relation va changer parce que quelqu'un va tomber enceinte. Après, on parle aussi d'un changement dans la vie sentimentale d'hommes qui ont des enfants. Votre vie sentimentale va changer. Je pense aussi que pour certains, il y a déjà des enfants ou un enfant. Vous allez vouloir changer des choses dans votre vie sentimentale. En plus, certains, on parle que la personne avec qui vous allez être va tomber enceinte. Certains ont déjà un enfant ou des enfants. Et il va avoir, parce qu'il va avoir beaucoup de changements, beaucoup de conversations pour ces hommes, avec des personnes autour d'eux ou d'elles. Il va y avoir de la jalousie parce que vous, votre vie va changer, parce que vous allez avoir du bonheur. Hein. Donc, beaucoup de jalousie, de choses comme ça autour de vous. Hein. Donc, on parle de quelqu'un qui va prendre, je vous dis, des décisions, va vouloir avancer dans sa vie sentimentale. Et j'ai l'impression que ça va pas plaire à tout le monde. Il y a quelqu'un vraiment par rapport à quelqu'un de jeune. Et puis, le fait qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez être qui va tomber enceinte. Il y a quelqu'un qui va aussi par rapport à votre enfant ou vos enfants. Il y a quelqu'un, pour moi, de toute façon, autour de vous qui, on parle que... On va être angoissé, on va être stressé, on va pas être bien. C'est comme si, par rapport au changement de votre vie sentimentale, on allait avoir peur de perdre de l'argent par rapport à un enfant qui est déjà là. Comme si ça allait angoisser, on va pas être bien. Bon, on parle d'une femme, vous voyez, par rapport à cet enfant pour moi qui est déjà là. Une femme qui va être très... qui va pas être bien. Voilà, des changements qui va vous arriver dans votre vie, cette femme va pas être bien. Donc, ça peut être la mère de cet enfant qui va avoir peur de perdre de l'argent parce que vous allez avancer dans votre vie.
Donc là, on parle de quelqu'un qui, par rapport déjà à la grossesse, parce que je vois certains, vous allez avoir un enfant, et vous avez déjà un enfant pour certains, cette femme par rapport à votre nouvel enfant qui va arriver, et l'enfant ou les enfants que vous avez déjà, ben, cette femme va vous chercher par rapport à l'enfant qui est déjà là et l'autre enfant qui va arriver, je ne sais pas si vous me suivez, va être angoissée, va pas être bien, va avoir peur ben, que votre nouveau couple et votre nouvel enfant, ben, que vous mangez avec votre nouvelle femme et votre nouvel enfant, ben, tout son fromage, vous voyez? Bon. Donc, on parle qu'il va y avoir des disputes, des querelles par rapport à ce nouvel enfant donc, qui va voir le jour, et puis cet enfant ou ces enfants qui sont déjà là d'une précédente union ou d'un couple qui va se séparer. Bon. Donc, pour moi, par rapport à cette femme, ben, elle va pas être bien, ça va la stresser, peur qu'elle perde tout. Il va avoir des disputes. Vous voyez? Mais je vois quelqu'un qui veut arrêter une relation ou s'éloigner d'une ancienne, quelqu'un qui est encore là, toujours dans les paysages. Mais de toute façon, on parle de changement dans votre vie sentimentale. Hein? Bon, ouais, j'ai une femme. Donc là, j'ai vraiment une femme. Hein? Je vois un homme, une femme qui vont discuter. Je vois des discussions, je vois que cette femme, ben, pour moi, ben, ouais, va être contrariée, très contrariée parce que, par ce que cet homme de cœur va lui dire, ça va tomber en plus par surprise, et pour moi, cette femme va chercher des problèmes à ses hommes. Hein. Bon, moi, je préfère vous le dire. Hein. En plus, cette femme, franchement, par rapport à ces hommes, franchement, les épuise. Hein. Les épuise, bouffe leur énergie au quotidien. C'est vraiment, ces femmes sont en plus très, très. Ben, c'est comme si on cherchait toujours les disputes, les querelles, par rapport à l'argent. On parle vraiment de femmes très angoissées, stressées. On ne sait pas, ça va pas. Il y a quelque chose vraiment qui va pas. Donc c'est ou on est dans une union qui ne fonctionne pas, ou c'est une ex qui est vraiment sur l'argent par rapport à un enfant. Hein. De toute façon, moi je vois des trucs arrêtés. Donc là vraiment on parle de là j'ai. J'ai. Alors, c'est où? Alors, j'ai un homme de cœur. Donc, pour certains, il doit y avoir quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ensuite, là, j'ai un ami ou quelqu'un qui voudrait plus avec vous faire évoluer non, les conversations. Il peut y avoir entre vous et cette personne une différence d'âge. Peut-être qu'il y en a un des deux qui est un peu plus vieux. Bon. Et pour moi, alors c'est ou un ami, mais ça c'est quelqu'un d'autre, ou un ami, ou quelqu'un qui voudrait plus. Pour moi, cette personne va prendre dans sa tête une décision de cœur, va vouloir changer quelque chose par rapport à vous, au niveau des conversations. Donc là, pour moi, par rapport à cette personne, il est question de communication entre vous et cette personne. Des échanges, des écrits. Et par rapport ben, à tous ces écrits que vous avez ou que vous allez avoir avec cette personne, j'ai l'impression que ben, c'est très embrouillé. Au niveau des conversations, j'ai l'impression que on comprend pas trop ou on se comprend pas mutuellement.
on n'arrive pas à savoir, en fait, vous n'allez pas trop savoir, arriver à savoir, c'est très embrouillé, ce que mutuellement veulent les deux personnes. Donc là, on parle par rapport à cet ami ou quelqu'un qui veut plus. Donc on parle que ouais, on est, cette personne est très embrouillée au niveau de la communication. On parle que on voudrait évoluer par rapport à des écrits. On est très embrouillé. On parle de que cette personne voudrait une stabilité dans sa vie. Après, c'est vrai que là, je vois quelqu'un qui, par rapport à l'autre personne, je vois vraiment des bâtiments. Des bâtiments, j'ai l'impression que pour certains, par rapport à l'autre homme et l'autre femme, il va avoir, ça va parler par rapport à des bâtiments administratifs. Il va avoir des disputes par rapport à ça. Grosse dispute, hein. Ouais, il y a une décision entre cet homme et cette femme. Ils vont avoir une conversation. Ils vont parler, il y a une prise de décision en commun. Ils vont parler beaucoup, une décision concernant du matériel. Donc chacun de son côté va prendre des connaissances. Hein. Il y a une décision. Je vois une femme, ouais, qui est très très attachée de toute façon à l'argent. Après, c'est pas être... Non, de toute façon, c'est deux personnes très proches. Hein. Une décision, cette femme, concernant l'argent. Une décision aussi, on va prendre des connaissances, il y a des décisions concernant le professionnel. Hein. On va se renseigner, on va prendre des connaissances, parce qu'on parle vraiment que... Au niveau pro, c'est quelque chose, on est très stable. On est très perturbé, hein, parce que, bon, ben, on a une situation professionnelle évolue, tout qui évolue, voilà. Mais il y a quelque chose quant à de la discussion avec vous. Il y en a, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait deux personnes. Donc, par rapport à cet ami ou cette personne qui veut plus, on parle que cette personne dans sa vie, par rapport à vous, est très perturbée. Par rapport, on veut changer quelque chose dans sa vie sentimentale, mais on est très perturbé. On veut réaliser quelque chose au niveau évolution avec quelqu'un. On veut faire changer quelque chose dans sa vie sentimentale par rapport à vous, par rapport à de la communication. Donc, c'est ou un ami qui va réaliser ben, qu'il y a plus, ou alors cette personne est consciente qu'il y a plus par rapport à vous, mais ne vous le dit pas clairement. Donc, la communication est très embrouillée. On vous appelle ou on vous envoie des messages. Et du mal à se comprendre. Mais pour moi, cette personne qui est ou un ami, mais dans la tête veut plus, veut vraiment réaliser quelque chose avec vous, ou va le vouloir. Et pour moi, cette personne va réaliser ses rêves. Donc voilà. Cette personne, toujours pareil, ou un ami, ou qui a quelque chose qui est très attiré par vous, bon bref, donc est vraiment très embrouillé au niveau des échanges avec vous, ou le sera,
on parle que cette personne a plutôt du bol dans sa vie, mais quand tu as réalisé des projets de cœur par rapport à vous, par rapport aux conversations, c'est vraiment très embrouillé, voyez. Et comme si vous et la personne, vous n'arriviez pas en fait à, comment dire, à vous comprendre, voyez. Problème communication, voyez, le réseau marche pas bien et ça rame, ça va ramer, comme si on n'arrivait pas à comprendre clairement. Voilà. Je regarde encore un peu avec ça là parce que c'est mes bêtes. On parle de la beauté. Donc je vous la montre. Donc là, on parle de beauté. Donc là, on vous parle de d'arriver à avoir, à ressentir la beauté que peut avoir, qu'on a tous en nous. Et à faire sortir, si vous voulez, à faire sortir, à faire jaillir une attraction entre vous et une personne. Parce que vraiment, on parle que de par rapport à la beauté de quelqu'un et d'une attraction. Donc, d'arriver à le ressentir et d'arriver vraiment à faire sortir toute cette attraction par rapport à vous et une personne. Parce que là, il est vraiment question. On ressent une femme, la beauté extérieure et intérieure d'une femme est vraiment une attraction, en fait, par rapport à une femme. On parle par rapport à vous que... on dit de vous que vous êtes protégé, très protégé. On parle de vous que vous êtes des personnes très fiables, des personnes sur qui on peut compter. Qu'on peut vraiment compter sur vous. On parle aussi que dans votre vie, il se manifeste et puis ça va continuer. Des aides, des trucs qui vous tombent du ciel, comme ça, là, vous ne savez pas d'où ça vous vient. Ça va encore arriver, ça va se manifester comme ça, par enchantement dans votre vie. Hein. On parle de responsabilité également. On vous dit que vous avez, qu'il va falloir que vous arriviez à vraiment à ouvrir les yeux sur quelque chose que vous avez en vous. Simplement que en fait quand vous parlez que vos paroles et ce que vous faites, vos actes, vos actions, tout ça ont vraiment une influence dans votre vie mais dans la vie des autres également. Et on vous dit vraiment que il faut que vous arriviez à prendre conscience de ce pouvoir extraordinaire que vous avez en vous. Parce que peut-être qu'il y en a qui ne le réalisent pas. Non, pas vraiment d'un pouvoir extraordinaire que vous avez en vous. On parle d'altruisme. On parle que il faut que vous arriviez à être attentif, avoir, être à l'écoute aux autres pour pouvoir les aider activement avec des dons que vous avez, des dons de réalisation que vous pouvez vraiment réaliser des choses et aider les autres. C'est magnifique. L'amour. Ah, c'est magnifique cette carte. On vous dit aussi, on vous dit que il y en a, vous devez avoir une expérience par rapport à de l'amour.
Et on vous dit que par rapport à l'expérience de l'amour, on vous dit que il y a quelque chose qui va guérir dans votre vie et qui a une nouvelle voie en cours de réalisation par rapport à de l'amour. Et que il y a vraiment un truc en cours de réalisation et vraiment un truc qui va se guérir dans votre vie. Elles sont magnifiques en plus, ces deux signes là qui se touchent la tête. Là. C'est vraiment... Et on vous dit vraiment d'arrêter de des fois de vous auto-saboter. Hein. Que vraiment, il faut que vous preniez conscience de tout ce que vous avez en vous. Hein. Parce qu'on parle vraiment que vous avez un pouvoir créateur. C'est un truc de fou, quoi. Donc, vous avez vraiment un potentiel... que même vos paroles, vos actions, ouais. Vraiment, je suis en train en plus de découvrir ces cartes, elles sont magnifiques. Franchement, en plus c'est dingue, hein, parce que franchement, c'est la suite du mien, de l'autre, hein, du mien, ça fait 30 ans, je savais même pas. Ouais, et puis on parle de votre intuition. On vous dit tout simplement de vous écouter. De vous écouter, d'écouter votre petite voix. Et puis, on vous dit que vous allez être guidé par les synchronicités de la vie, de votre vie, par rapport à l'amour. Il y a beaucoup de choses. Et puis, alors, punaise, regardez la dernière carte. Ce que c'est. Regardez. Et l'amour. Vous voyez? Donc, franchement, pour moi, il arrive un truc énorme, là, dans votre vie, là. Là, pour moi, après, le temps, c'est très difficile. Mais il y a un truc énorme qui arrive pour moi. Vous voyez? Donc, je ne fais pas de dessin. Et on vous parle d'écouter, voilà, de vous écouter, votre intuition. Il y a un truc énorme qui se prépare, hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous.